Voilà, après un bon spectacle de musique locale hier, ce matin, on décide, est-ce qu'on va vers Portugais Central, les beaux petits villages, mais la route apparemment un peu moins spectaculaire, ou on passe par la côte, et pour un Canadien qui voit pas souvent l'océan, il a choisi la côte. Donc, on y va, petite journée de 16 km. Savoir la côte, notre destination est derrière la colline, Vigo. Sur le golfe qui va nous mener jusqu'à l'océan. On reste en hauteur, donc on a quand même une belle vue. Ça va nous mener jusqu'à Vigo. Dans l'atmosphère des tas pour les galaxies et mon tapis roulant. Vigo, c'est très urbain. Il y a même une piste cyclable. Indication qu'il y a passablement de véhicules, assez pour devoir protéger les cyclistes. Près de l'auberge, et seulement une heure, donc on pourra visiter un peu plus la ville. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destin, en imposant, et qu'est-ce qu'on en retient? Tout est fermé, ou presque. Donc, pas grand-chose à voir. Mais on marche un peu. Hein? Il faut bien. Il faut visiter un peu.